Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous apporte une vidéo de motivation vie de maman. Je viens encourager une maman ou une personne débordée par une situation et qui s'est oubliée à recommencer à prendre soin d'elle. Je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. Et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez les vidéos de motivation ménage, mon lifestyle camerounais, les astuces et les organisations pour bien prendre soin de sa maison. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Depuis mon accouchement, je n'ai pas mis pied dans un salon de coiffure et je porte ces nattes depuis plusieurs semaines. J'ai dit trop, c'est trop. Il faut sortir de tout ça. Si tu es maman, cette vidéo est un rappel pour toi, pour t'encourager à redevenir la femme belle et coquette que tu as toujours été avant d'avoir des enfants. Je sais très bien qu'avec la fatigue, la prise de poids, le manque de temps et parfois même la dépression postpartum, il est difficile de se retrouver. Mais il serait dommage de laisser la maternité être une raison de ne plus prendre soin de soi. Car avant d'être maman, tu es d'abord une femme. Alors lève-toi, va te coiffer, fais ce que tu aimais faire tant avant. Si ce sont les ongles, fais-toi les ongles. Si c'est mettre les greffes, mets tes greffes. Si c'est un massage, fais-toi plaisir. Pédicure, manicure, rends-toi belle. Bref, fais ce que tu peux pour réveiller ta féminité et redevenir cette femme belle, coquette et séduisante que tu as toujours été. J'avais des cheveux durs et pleins de repousse qu'on était obligé d'assouplir un peu avant de laver. Il m'a fallu du temps pour me décider finalement après cet accouchement d'aller me coiffer. Encore qu'après la césarienne, je ne pouvais pas m'asseoir longtemps. C'était vraiment une bonne décision d'y aller car après je me suis sentie bien. Je viens donc encourager une personne qui vient d'accoucher et qui se sent fatiguée ou une personne qui traverse une situation semblable, une situation qui fatigue le moral, l'empêchant de sortir se faire chuchoter. Maman, fais-toi aider, laisse les enfants à quelqu'un et prends-toi en main si tu peux. Je sais très bien que lorsqu'on devient maman, de nombreux changements opèrent. Notre vie est transformée et nos enfants deviennent notre priorité numéro un. Entre les tâches ménagères, les devoirs des enfants, les disputes des enfants, les repas à préparer, il peut être facile de s'oublier soi-même. Sauf que prendre soin de soi est essentiel pour garder un équilibre personnel et familial sain. Quand maman prend soin d'elle, elle se sent bien et ça se ressent sur les enfants aussi. Hein? C'est vrai qu'on ne peut pas aller tout le temps se coiffer parce qu'on a affaire et on est très occupé. Mais la situation ne doit pas durer. Cette situation ne doit pas durer longtemps. Cette situation de maman débordée ne doit pas durer. Il faut bien qu'à un moment donné qu'on dise stop et qu'on se bouge un peu, comme je l'ai fait. Vouloir faire le maximum pour ses enfants, c'est très bien. En revanche, il est important de ne pas se négliger en passant faire des sacrifices pour ses enfants. Lorsqu'on est à l'écoute de nos propres besoins, lorsqu'on résout aussi nos propres problèmes, nous montrons ainsi à nos enfants un modèle à suivre. Man no go die because family dey. Souvenez-vous bien de cette chanson d'une artiste camerounaise. Man no go die because family dey.
Il faut être en vie, en santé, bien portant physiquement et moralement pour bien prendre soin de sa famille. J'ai choisi de faire ces rastas parce que c'est joli, c'est rapide à tresser, c'est un gain de temps quand on veut sortir. Et ça peut se coiffer de différentes manières. Pas besoin de peigner quelque chose et perdre du temps. Là au salon de coiffure, j'étais avec ma petite sœur qui est venue donner un coup de main pour que ça aille très vite. Je suis quand même la maman du bébé. Je ne dois pas traîner dehors. Nous aimons nos enfants, nous aimons notre famille, mais parfois c'est un ouf de soulagement de les confier à quelqu'un et sortir un peu. Vous avez vu ma deuxième fille là? En sortant, elle a signé sur moi. Cet enfant aime coller sur moi comme la colle. J'étais obligée de l'amener. Mais un solo date, c'est toujours bien pour une maman. Se retrouver avec soi, parler avec soi sur ce qu'on ressent ou même se retrouver entre copines. C'est des choses que j'avais de la peine à faire, mais aujourd'hui je suis fière de moi parce que j'y arrive et je me sens bien à chaque fois. En conseil, mes copines, je vous dirais ceci. Faisons attention à nos propres besoins. Écoutons-nous. Quand on se regarde dans un miroir et qu'on voit un truc qui ne va pas, donnons-nous un délai pour résoudre cela. Si c'est à la hauteur de nos capacités, sinon confions à Dieu le reste. Si tu laisses tes enfants pour aller te faire belle et causer un peu avec tes copines, tu n'as rien fait de mal. Il faut déculpabiliser. Le truc avec les mamans, c'est que nous voulons être perfectionnistes. Mais pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Commence par t'aimer toi-même pour pouvoir donner de l'amour autour de toi. Après cette coiffure, vraiment, je me suis encore aimée plus. Et je me suis remerciée moi-même d'avoir fait ce pas. Laisser bébé à la maison pendant plusieurs heures et aller me coiffer. J'étais contente de moi. Hein. Vraiment, applaudissez pour moi. On applaudit pour qui? Je sais que se sentir bien, se sentir belle a aussi des effets positifs sur nos enfants. Donc, je n'ai pas culpabilisé d'avoir laissé mon enfant à la maison et resté dehors pour plusieurs heures. Quand je suis revenue avec ma petite sœur, elle m'a dit vaut mieux continuer. Alors elle m'a fait un gommage, un petit soin de visage avec les produits naturels et avec l'huile rouge, le miel, le sang de maïs. Bref, elle m'a bien nettoyé le visage. Elle a dit ma grande sœur, tu as commencé, terminons. Vous ne pensez pas quand même qu'après tout ce nyanga-là, je vais rester à la maison. Je n'avais même pas prévu aller à une invitation, mais parce que je me sentais nyangalement nyangalisée, j'ai décidé d'aller assister à un séminaire sur les produits Longrich.
Une amie m'a dit, tu utilises les produits Longriche, viens au séminaire comprendre comment ça fonctionne, si tu peux t'inscrire et être commercial. Je suis donc allée écouter. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir commenté. N'hésitez pas à partager autour de vous pour motiver une maman. On ne sait jamais, une petite parole, un petit sourire peut changer une vie. Portez-vous bien, mes copines, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!